Et les meufs, votre valise c'est un délire. Même pour un week-end, elle l'a préparée la veille. Dedans c'est un dressing, elle fait la taille d'un frigo la valise. Il y a des compartiments pour tout. La quantité de sous-vêtements je comprends pas. 2 jours, 24 strings, 2 bodys, 8 culottes. On va où là? Une pour le matin, une pour l'après-midi, une pour la nuit. 3 par jour quoi. 5 paires de chaussures. Dans sa tête elle a imaginé 6 tenues alors qu'il y a 2 soirées. Son week-end c'est un gala Miss France. Une ambiance, une tenue. La valise d'un mec, c'est une brosse à dents, un caleçon qu'il a depuis le collège. À la base il était blanc, il est devenu gris. Voilà. C'est le festival de la bouloche. Le signe Calvin Klein il est effacé. Même l'élastique, il a lâché prise. Chez la meuf, même pour 2 jours, c'est rangé comme chez Ikea. Y a rien qui dépasse, c'est au carré. Et les quantités, elle a perdu les pédales. Haut, 4. Chemisier, 6. Pantalon, 3. Robe, 7. C'est où? C'est quoi? Une tenue de sport avec les running au cas où on fasse un footing? Non, tu le fais jamais. Jamais tu la sors la tenue de sport. Jamais. Et dans tout ça, elle mettra rien. Ou alors le tiers. Et elle te dira qu'on l'a stressée à faire sa valise, qu'elle l'a fait à la va-vite, qu'elle a oublié plein de trucs et qu'elle n'a rien à se mettre. Attends, c'est pas fini. En plus de ça, trousse de toilette, trousse à maquillage, les brosses à cheveux. Elle a tellement de produits de beauté, là, on dirait un institut Yves Rocher. C'est un spa. Elle a tellement de crème dans la valise, elle pourrait faire des soins pendant 6 mois à tout un village. Le sèche-cheveux, putain, et le sèche-cheveux, si elle a oublié, t'es mort. Le week-end, c'est un cauchemar. Ah bah non. Sans séchage, elle se retrouve vite avec un ballot de foin sur la tête. En même temps, je vous comprends, les séchoirs qu'il y a dans les hôtels, là, les mini-trucs, là, ça sèche rien, ça. C'est de la clim, ça. Elles vont terminer dans les sèche-mains, des chiottes comme ça, dessous. Allez, c'est bon, on part en soirée. Le fer à lisser. T'as oublié le fer à lisser? Oh putain. Tu sais, la pince de barbecue pour cheveux là. Bah, ça, tu l'as oublié. Il vaut mieux que tu trouves un Darty dans la région, sinon, tu vas rentrer. Hein. Ouais, j'ai sorti la polaire parce que je sais qu'en commentaire, vous allez me tailler. Et il y en a même, elles mettent sur des carnets les tenues. Lundi, soirée, donc, top avec body et combinaison escarpin rouge. Ça va aller les conneries là? Et elle m'a mis le legging de yoga. Mais tu fais pas de yoga!